Bonjour Paul, est-ce Bonjour. que tu peux parler du projet de réhabilitation de main-d'œuvre et du rôle de l'atelier Landauer et de la spécificité de ce projet, s'il te plaît? C'est un projet de long terme, c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années, qu'on a élaboré très lentement, très doucement, avec beaucoup de partenaires. Et on était là un peu depuis le début pour peut-être rappeler de quoi on est parti, qui était une question qui était toute simple, qui était une question d'isolation thermique, à la fois un problème d'isolation thermique et puis un problème qui était lié, qui faisait suite à un incendie qui avait eu lieu dans le gymnase. Et donc l'équipe main-d'œuvre souhaitait rénover son bâtiment, mais souhaitait le faire de manière un peu intéressante. D'intégrer un certain nombre de questions autour de l'environnement, et puis rester dans l'esprit main-d'œuvre, qui est quand même un esprit très particulier, où ce sont les artistes qui font le lieu, un esprit très partagé, très participatif, très intégré aussi dans le quartier et dans la ville de Saint-Ouen. Et donc on a essayé d'imaginer un certain nombre de démarches qui évitait simplement une réhabilitation thermique ou qui évitait simplement la reconstruction de ce qui avait été démoli au cours de l'incendie pour essayer de trouver des manières de transformer le bâtiment qui intègre à la fois ce qui se passe dans le bâtiment, c'est-à-dire le travail des artistes, qui soit le plus participatif possible, qui soit pédagogique aussi, parce que cette question des approches environnementales, c'est une question aussi qu'on doit partager. C'est pas simplement une question de super high-tech, c'est aussi trouver les moyens, des gestes simples, des attitudes simples qui permettent à tout à chacun de pouvoir faire mieux du point de vue de l'environnement. Donc il y avait toute cette démarche pédagogique, partagée, etc., qu'on a essayé de mettre en place. Et puis au cours des ans, on a changer les lieux d'intervention dans le bâtiment. On a modifié un petit peu le projet, mais ce qui est resté, c'est en tout cas cette idée initiale. Cette idée aussi d'explorer des filières de matériaux, ça c'était quelque chose qui était venu assez tôt, dans l'idée que il y a aussi une question de recyclage peut-être à retrouver. Pour ça, il y avait des filières à identifier. Et Camille a réussi à trouver les bonnes personnes, nous a mis un peu tous ensemble autour de cette table. Et on a élaboré ce projet qui est un projet à la fois pédagogique, artistique, parce qu'il est quand même au milieu d'un lieu qui est fait pour ça, qui est dédié à ça, pédagogique, parce qu'il y a toute cette démarche aussi de faire connaître ce qu'on est en train de faire, et qui a amené à faire ce projet que moi je trouve intéressant parce qu'il est. C'est du low-tech, c'est pas du high-tech. C'est vraiment, c'est du. Tout le monde peut le faire, c'est du do-it-yourself. Mais en même temps, avec une vraie réflexion sur les filières de matériaux, sur la manière, les bons gestes pour que les étudiants puissent le faire. Il ne s'agit pas d'une entreprise spécialisée, ce sont des étudiants qui réalisent. Donc ce sont des choses comme ça très, très simples, donc qui ont nécessité beaucoup de réflexion, beaucoup de partage, beaucoup de. D'ambition aussi, parce que il faut le tenir quand même, ce projet jusqu'au bout, et pour au bout du compte faire quelque chose qu'on aurait pu faire de manière beaucoup plus simple, qui est simplement d'isoler thermiquement une salle de spectacle qui aujourd'hui est un gymnase. Le projet thermique, le proté, l'isoler thermiquement, phoniquement, donc ça aurait pu être un projet très technique, et c'est devenu un projet beaucoup plus intéressant que ça, quoi, et j'en suis ravi. Merci, merci.